Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ni un BuckTales, ni un ça s'annonce bien, ni un heure du top. Non, cette fois-ci cette vidéo est une vidéo news et annonce. Qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma dernièrement? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de vidéo depuis ma vidéo sur Pirates des Caraïbes? Et surtout, quels seront les prochains sujets de mes vidéos qui vont sortir dans les jours prochains? Bon, déjà rassurez-vous, je me suis pas du tout absenté pour les raisons que vous croyez. C'est pas à cause des retombées négatives à ma vidéo sur Pirates des Caraïbes 5 que j'ai dû partir pendant un petit temps. Non. En fait, on m'avait contacté pour réaliser un court-métrage sur un club de sport. Et du coup, j'ai dû m'y consacrer à plein temps. Mais maintenant que tout ça s'est réglé, je suis enfin de retour. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. Que celui qui a eu l'idée de ce gag tout pourri ne se montre pas du tout à l'écran. Ok, Roro, tu es puni. Pour quelques jours, tu seras le nouveau cobaye pour les prochaines expériences de Bibi. Concernant les sorties ciné, je suis allé voir sur grand écran le film de super-héros que j'attendais le plus cette année, avec Justice League et les Gardiens de la Galaxie. À savoir, le film Wonder Woman. Ce film est très bon. Un super blockbuster montrant enfin une super-héroïne à l'écran, et réalisé par une femme. Faudrait qu'on en ait plus des femmes réalisatrices de blockbuster. On en a franchement besoin. Et concernant les sorties de mes futures vidéos, eh bien je vous réserve un ça s'annonce bien qui va traiter d'un sujet en particulier, les commentaires haineux. En effet, suite aux réactions exagérées sur mon avis concernant Pirates des Caraïbes 5, eh bien j'ai décidé de traiter ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais ça ne concerne pas que moi, toute l'équipe des successeurs de Disney ont eu le droit à leur part de rageux, mais aussi d'autres youtubeurs, et je pense qu'il serait grand temps qu'on réagisse à ce sujet. Et concernant mes BuckTales, eh bien ça y est, je me lance dans les vidéos spéciales Star Wars. Oui. Et à l'occasion de la sortie de Star Wars Les Derniers Jedi qui va arriver en fin d'année, eh bien j'ai décidé de consacrer les sujets de mes prochains BuckTales sur tous les films de la saga, ainsi que de 3 séries. Enfin bon, peut-être que 2, parce que j'ai une de mes 3 séries que j'avais dans ma liste qui a des petits problèmes techniques et que je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Voilà, on verra bien si je peux la traiter, ou sinon j'en ferai un avis rapide. Mais sinon, à part ça, je suis extrêmement content de pouvoir enfin parler de Star Wars, une saga que j'adore énormément. Une saga qui reste intemporelle, même pour aujourd'hui. Et ça me fait tout autant plaisir de voir qu'il y a des fans, même de nos jours, qui continuent à faire exprimer leur amour pour Star Wars, avec des petits projets. Et concernant les vidéos Star Wars que je vais faire, ce n'est que mon avis personnel sur chaque œuvre que je vais traiter. Mais je vais tout de même essayer d'aborder les points positifs et négatifs de chaque film, et bien entendu de chaque série. Mais bon, si vous voulez savoir quelles sont les œuvres que je vais le plus défendre et les autres que je vais un peu moins défendre, eh bien voici un peu mon petit avis rapide sur chaque œuvre. En quelques mots. Magnifique, magistral, excellent, si tu veux, très moyen, excellent, bon et intéressant, vraiment très beauf et peu intéressant, excellent, magnifique et très bon. Voilà, maintenant que ça c'est dit, vous savez maintenant ce que je pense de chaque œuvre que je vais traiter, et vous aurez les détails plus tard. Mais bon, avant de vous quitter, je tiens quand même à aborder un dernier élément concernant mes futures vidéos sur Star Wars, à savoir les règlements concernant les commentaires. Règle numéro 1. Pas d'insultes dans les commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point on snob ce genre de commentaires. Et en plus de ça, ça fait tâche. Et puis, vous vous rendez complètement immature à force d'insulter. Règle numéro 2, pas de spam dans les commentaires. Si au cas où vous ne savez pas ce que c'est les spams, ce sont les commentaires que vous répétez encore et encore. Et c'est vraiment agaçant. Bon, ça peut arriver que vous avez oublié de dire quelque chose dans votre commentaire précédent. Mais pour ça, vous avez une petite option à droite de votre commentaire qui a marqué « Modifier ». Et la règle numéro 3, pas de citation à la Durandal. Pour ceux et celles qui ne savent pas qui est Durandal, eh bien c'est un critique français dans le domaine du cinéma, que beaucoup de gens considèrent comme étant le meilleur parce qu'il a fait des études dans le domaine du cinéma. Alors que non, le meilleur critique dans le domaine du cinéma et qui est français, c'est le fossoyeur de films. Mais si au cas où vous vous posez la question, oui j'ai déjà vu ses vidéos, et non je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mes vidéos préférées de Durandal sont celles sur la trilogie Matrix, et non je n'ai rien contre Durandal. Les personnes que je blâme le plus, c'est surtout ses fans. C'est majoritairement des gros neuneux qui se ramènent dans les commentaires de youtubeurs qui ont traité un sujet que Durandal a déjà traité, et qui mettent ça. Mais non, tu racontes que de la merde, va voir les vidéos de Durandal. Non, 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 non. Non, ça je ne supporte pas ce truc-là. Et je rajouterai même, en agissant comme ça, vous ne faites que répéter que les arguments de votre youtubeur préféré sans même prétendre que c'est vos propres arguments. Donc voilà, que j'envoie un ou une d'entre vous qui ne respecte pas du tout ces règles, eh bien j'autorise Chatishire et Violette à vous bloquer net. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Oui, elle était très courte, mais bon, c'était une vidéo surtout annonce, voilà. Les BuckTales et les ça s'annonce bien vont revenir. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs, et quant à moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'oncle Buck.